Bonjour le petit loup. Voilà, la petite histoire du jour, c'est Où est mon nounours? De Jez Alborog. Fred, le nounours d'Eddie, a disparu. Eddie part à sa recherche. Fred est perdu quelque part dans les bois. Plus Eddie s'avance, plus il fait sombre. « Au secours !» crie Eddie. « J'ai peur. Je veux mon lit. Je veux mon nounours. » Il marche sur la pointe des pieds jusqu'à ce que quelque chose le cloue sur place. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde de tous les côtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nounours géant. C'est toi, Fred? Demande Eddie. Ça alors, comment es-tu devenu aussi grand? Je ne pourrai plus te câliner, dit-il. Et nous ne tiendrons pas à deux dans mon petit lit. C'est alors qu'Eddie entend des pleurs et des gémissements qui semblent venir du fond du bois et qui se rapprochent de plus en plus. Bientôt, tout le bois résonne de pleurs et de lamentations. « Comment es-tu devenu si petit, si minuscule? Je ne pourrai plus te câliner et tu te perdrais dans mon énorme lit. » Un ours gigantesque qui tient un nounours minuscule se dirige vers le nounours géant et Eddie. Nounours, s'écrie l'ours. Un ours, hurle Eddie. « Oh, un garçon !» s'exclame l'ours. « Fred !» crie Eddie. Ours et garçon rebroussent ce chemin aussi vite qu'ils le peuvent à travers le bois sombre, jusqu'à leur maison. Et une fois dans leur lit douillet, chacun serre son nounours très fort et lui fait un gros câlin. Et voilà. Au revoir les petits loups. À demain. Je vous envoie plein de gros bisous.